heureux. J'ai eu peur. Parce que la réalité d'avant, c'était qu'à les deux dernières minutes que ça a bugué. Je me dis, putain, ça se trouve, ça fait 20 minutes que je joue en buggant. Non, c'est bon. Une armure magitech équipée de une coloration qui semble bien familière. Peu sérieuse en monture, apparemment, et dans l'action pour aller à paix, y compris dans l'hiver. L'envoyer dans la map parce que du coup on a gardé l'autre. Je l'ai trop pisté le rouge. Oh oh. No trouble at all. Et là on tombe sur Tombelly. Tombelly. Let's begin. Si. Oh, petit bouton de bruit. Acuité. Voilà, c'était le temps de bruit, mais. Oh, ça fait. Perdure et TV. Par contre, j'ai peur de le tuer. T'es revenu, c'est bon? Un béton bébé qui porte une capuche à bordure blanche dans un style qui rappelle furieusement quelque chose ou quelqu'un. La vraie question, c'est avez-vous été juste? Comme ça. Oh oh. Pas bouger, ok ok. Non mais putain, quand t'es arrivé, puis quand t'as commencé à parler, t'as mon lave qui a figé. Oh, mon jeu qui est figé et tout. Putain, j'ai encore plein de combats à se faire. Et là, ça va être quoi? Je le sens pas. Quelle est cette chose? Ah! Altération amnésie. Ah! Je l'ai pas sur moi. Bon, on va tout simplement les dégommer. Je pense pas que j'ai un mirage qui est amnésie. Donc, ça va être mort pour les attraper. Ouais, donc je disais, les tics chauds pour Folie 116 quand je vais sortir.
ho. We did it. Alors, on va faire ça. Bon, je pense à recapturer le truc du coup. Un jour. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Perdure les PV. Merde, je vais être fort. C'est pas possible, j'ai pas raté une attaque comme ça. Non, qu'est-ce que je vais faire? Pas de compétence, non, on va le capturer. Mais pas qu'on peut ce côté. Je disais. Pourquoi? Parce que peut-être que le son du jeu. Ah, le son du jeu est un peu trop fort, peut-être. Je disais, est-ce que t'es chaud pour Fallout 76 qui sort bientôt? Et avec un peu de chance, il sortira lundi. Un peu plus tôt. Ta mère, tu vas le capturer, s'il te plaît. Ah, on est tranquille. Alors, attends, c'est quoi? On va même défaire la pyramide. On va l'affaiblir un tout petit peu. Oh, il a failli l'achever. Enfin! Une. Comment ça tu l'as déjà? Attends, comment ça tu l'as déjà? D'où tu l'as déjà? Non, non, tu me trolles. Hop, ça va être Astra, hop. Non, j'y suis allé à Micromania vers 14h30, il n'y était pas. Tu vas me dire qu'entre temps, j'ai déjà bêta. Ah, mais la bêta, oui. Oui, moi je te parle quand on va jouer au jeu, le vrai jeu. Tu me diras, la bêta c'est un peu le vrai jeu, mais sauf qu'on peut pas jouer longtemps. Là, lundi, j'arrive vraiment le jeu. Enfin, lundi ou mardi, il y a un peu de chance. Si on n'a pas de chance, ce sera mercredi. En plus, c'est bien. Attends, c'est moi, c'est le collector que j'ai pris. Les tri en 3DC, du collector. À 90€, j'ai déjà payé la porte à 10€. Et j'ai dit 20€ de bonne réduction. Donc, j'ai le jeu un peu moins cher. Ah bah on commence à voir la fin, putain. Bah du coup tu... T'en penses quoi des types de bêta là? Enfin, quand t'es ajouté toi-même t'as fait des petits trucs sympas et tout. On dirait que...
utile. Carbuncle, du coup, mais c'est comme une chimère, merde, j'ai pas dû. J'ai son nom dans sa description. Carbuncle Topa, ça veut dire qu'il peut avoir d'autres carbuncles. Ah, celui-là, il va trouver un nom. J'ai pas vu, j'ai beaucoup. Ouais, bah tu m'étonnes. Carbuncle, Carbuncle. Allez, j'ai quelqu'un au hasard, seul Discord, qui a un nom. Qui va le. Qui va. Cool. Tu te rends compte que son pseudo est écrit mal. On va pas prendre ça en fait. C'est en écrivant que je me dis en fait il a chié son pseudo. Pas grand chose en fait. On va mettre un petit pseudo que je mets d'habitude. Sinon, comme tu peux voir, Litty, je suis sûr qu'il faut avoir Final Fantasy. Pendant que beaucoup de monde joue à Red Dead, moi je joue à Warcraft. Red Dead, je l'ai pris pour me dire, allez, apparemment il est bien et tout. Il est bien, mais on. Let's begin. Il me fait chier, tiens. Déjà cela. Ah mais ils font mal, ok. Non, ils font pas mal, ils sont curistes. On va baiser les pyramides hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà un combat sur le front. J'ai pas de légumes. Là, faudra j'en voir, chocolat. La chocolinda, elle vient d'où déjà celle-là? Faire ta pyramide pour la remettre. Il
purée, ils font pas leur face, ces enculés. Je peux pas taper de sauveur. Il soigne. Oh là 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 là, ok. C'est bon, je commence à me faire laminer. Mais putain, mais pourtant, c'est le même niveau que les autres. Vas-y, tu sais quoi, éliminez-moi. Je suis foutu. Non, en fait, il t'attaque tellement que. Te déséquilibre. Ça, c'est des salauds. Allez, finissez-moi. Putain, moi, on va pas faire grand-chose toute seule. Extra soit un coup. Game over. Well, that's that. Où? Ah, faire ça, c'est niveau 14. Hein. Bon bah, vas-y, on va tenter ça. Ça va être la même chose avec des pingouins. Pourquoi il y a deux combats contre des pingouins? Alors, acuité. Il y a quand même beaucoup de pingouins. Il rentre ses PV. Alors, on va déjà en dégommer beaucoup. Ça, c'est un coup pour faire péter les pyramides. Ces putes là. Attends, j'ai enlevé quasiment qu'un dégât déjà. T'as pas le temps d'attaquer, qu'il te fasse tomber. Ouais, cette mort. En plus, on a conné d'or. Ok, non, c'est pas mort, on peut se le faire, on peut se le faire. On peut faire soin, on va utiliser les gros trucs. Vraiment pas une bonne combinaison ce que j'ai pris. Bon, comme je disais, j'ai gagné un petit fou. Sinon, je sais pas si t'as vu Letty, je m'amuse à donner des noms au mirage et des fois. J'ai donné par exemple au petit bébé Mehemot, mon guy. Et toi, je t'ai donné un nom sur un mirage, mais qui est pas. Qui est rangé dans la malle. Y'a rien de pire qu'avoir plusieurs ennemis. Ça devrait être de plus en plus facile, tu vois, on va pouvoir enfin faire une tête de fouet qui change pas grand chose, autant faire notre physique. Juste avant que Ren doit attaquer, il faudra faire l'ordre. On va défaire les pyramides.
C'est un code Bolletti. Qu'est-ce que t'as de nouveau à raconter? Oh, le coup critique, c'est pas mal ça. On est dans le tenter mes chocobos, du coup je vais attaquer le bébé chocobo en premier. Oh putain, eh. Moins ils sont nombreux, plus c'est tellement puissant par un baiser. Par contre, ça commence à avoir toujours quelque chose qui se passe. J'ai du mal. Oh putain, j'oublie d'en capturer. J'avais tellement envie de niquer les pingouins, j'ai oublié de les capturer. Quelle bite que je suis. C'est pas grave. Il y a un niveau. Avec le même pingouin. Ah non, il y a un pingouin similaire. On va faire QT sur le nouveau pingouin. Pareil, même délire. Allez, ça va être une casse-couille à combattre. Sauf qu'ils sont plus rapides à tuer. En fait, Kitty, toi tu joues pas au Final Fantasy en temps normal. Attends, j'aurais pu faire qu'un baiser en pire. Allez, ça devrait aller mieux. C'est con, tu devrais en faire. En plus sur Steam, bah tu les as presque tous. T'as le 4, le 5. Le non, t'as le 3, 4, 5. 6. J'ai un doute du 5. Bah si, tu devrais l'avoir. Ok, que 1 et 2 qui sont pas. Il y en a qui devraient les faire. Après, faut aimer gameplay aussi. Ça... faut aimer. Alors, hop, on saute cette chose là. On va se le mettre à le capturer en espérant qu'il rentre tout seul. Et il veut pas rentrer tout seul. Bon, défais les pyramides sinon tu vas te faire bouger. Bon, c'est bien encore. On va monter les chances. Capture. On va quand même soigner l'âne. Là il rentre.
Nickel. C'est bon. Et quel bide, je me suis auto-soigné. Ah, et putain, j'ai pas fait gaffe qu'il y ait un déséquilibre. Ah, c'était gratuit. Ouais, pas encore. Bah tiens, on va sauter la capture. Et bah non. On tente une capture. Nickel. C'est qui le plus fort, c'est Rizou. C'est qui le plus fort, c'est Rizou. Merde. Attends, faut du coup que je check un truc. Avant que je me fasse baiser. C'est bon, je suis large en disque dur. Un Ozuma, donne des attaques. Oh, mais non, je sais pas. Là, j'ai un grade d'expert comme ça. Brie, tu as promotion royale. Et bah, lui, on va l'appeler. Merde! J'ai pas donné de nom. J'ai merdé. J'ai payé trop vite. Non, tapé. Oui, je sais, ça fait non Pokémon. Ah bah non, tu sais quoi? Non, ça fait trop non Pokémon. On va taper le plouf. Non mais il a mal. Oh oh. Alright. Et si on se retapait Chocobo qui m'en foutu une raclée. Si, je me laisse pas faire. On va d'abord s'occuper du bébé Chocobo. Comme un relâche. En plus, comme j'ai récupéré un plus du bébé Chocobo, je suis hors capture. Ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Faut que si. Là, j'ai un bébé Chocobo, après j'ai l'évolution de Chocobo, mais l'évolution de Chocobo est déjà. Enfin bref. Là, on va t'équiper la pyramide parce que ça va mettre un pont à l'arrivée. C'est une pierre. Soigner correctement. Oh putain, il est tombé aussi. Hein. Si c'est jet de pierre. Et normalement, si je suis un bon. On va défier la pyramide sinon. Ah putain, vous êtes à côté. Ah. Du coup, ça joue à quoi en ce moment, Litty? Putain, j'ai eu une belle vengeance quand même. Putain, petite histoire de pyramide, c'est que ça va quand même le jeu stratégique. Est-ce que ça vaut le coup de dégommer sa pyramide? Minecraft? Ah, t'as mis un Minecraft?
Peut-être que tu l'as jamais lâché, tu me diras. Les chocobos, je les ai payés. Bon, alors il me faut un légume de je sais plus quoi aussi pour que tu aies un chocobo. Et un sort d'ami aussi. Let's begin. Je fais un serveur modé avec des ennemis. Ah, cool. On a quelle version de Minecraft maintenant? Parce que ça fait depuis la 1.9 que j'ai lâché quoi. Alors, c'est pas des tamas, sont différents ça. Des barbatamas. Affigé, t'as sommeil, c'est parfait. Eh ben, j'ai bien fait de garder. T'es fou. Il y en a une autre Tama en version rouge, en version Kawaii. Et je suppose qu'il n'y a pas de mine. 1.13 et 1.14 arrivent. Ok. Donc, il y a quoi comme nouveauté qui est cool? Depuis, je crois qu'il y avait des histoires de blocs de lave, je sais plus quoi, des trucs comme ça à un moment donné. Enfin, des blocs de magma, je sais plus quoi. Ça, c'était dans. Je sais plus quelle version. Un Tama un peu plus rose, un peu plus féminine. On pourrait croire qu'elle est au résultat d'une fusion avec Seraphie, mais ce n'est pas le cas, heureusement. Je donne parfois le matricule 2P, comme si elle était une simple variante du joueur. Monde aquatique. Ah, il continue encore le monde aquatique. Alors, ça va être simple. C'est Barbatama, c'est marqué, du coup, on va juste mettre. Barba. Et on te met dans la malle. Well done. No trouble at all. Oh, il y a une voix tellement classe. Alors, activité, toi, il faut quoi? Ah! Il faut esquiver ses attaques, c'est du play. Donc ça veut dire qu'il me faut un sort de cécité. Et j'ai pas de sort de. Je dois l'avoir, mais. Je dois l'avoir, attends. Je crois que j'ai un gobelin rouge. Il devrait avoir des sorts de cécité. Mais est-ce que je l'ai assez entraîné pour avoir le sort de cécité? Je pense pas. Du coup, ce sera une prochaine fois. Bon. Un légume, un sort d'anésie et il me faut un sort de cécité. Et on a enfin fini cette putain d'arène. Putain, en fait, il m'a pris plus de temps que je pensais. Well done. We did it. C'est bon. Come back soon. Alors, t'as déjà les objets. Hop. Des frites et tout, ok. Oui, formation Tifu en temps de V. Je crois que je t'en ai pas. Voilà. Du coup. Attends, j'ai un B. Voilà. Des trucs classe.
Mais du coup, on va y jouer en Chili. Ça fait bizarre de le revoir en Chili. Peut-être Sophia depuis tout à l'heure. Hop. Portail. On va enfin reprendre. Merde. L'histoire. On va faire. Quoique, attends. Si, si, attends. Ça se trouve. Non, on va aller voir plutôt la meuf. J'allais dire, ça se trouve, elle vend des légumes. Elle vend forcément des légumes pour la choco. C'est la flemme. Donc, on va retourner à la ville de Cornelia. Chibi, j'ai l'impression que je joue Cloud. Un petit chocobo ici. C'est une quête, je me verrai afficher non? C'était des fûts. Oh les cieux. Holy amaze! I could stare for days. This place. Looks like we're gonna have to find a way through. La compétence. Voici la compétence brûlée. Brûlée permet de réduire les cendres et végétation et de faire fondre les blocs de glace qui vous fait obstacle. De plus, mis la mèche et le mécanisme. Vous voyez, et le mirage. Ok. Voilà pourquoi j'ai gardé Nika. If things get dangerous or you need a break, don't forget that you can use the gates to return to Ninewood Hills and take a time out. Super chibi. Du coup, il va être un peu plus faible, mes persos. C'est fort. J'ai l'impression que je suis tellement plus badass avec ça. Alors qu'en vrai. Putain, j'aurais peut-être dû regarder mes compétences en fait là. Ouais, parce que du coup, comme je les ai eus, je dois forcément avoir des compétences. Oui, forcément, il faut à distribuer. Rayon de feu, monture, pourquoi pas. Rayon de glace. Alors, ouais, ça a pas l'air ouf que ça, finalement, les montures ici. Parce que en armure, pas grand-chose. Ah, si toi... Extra soin... Toi, t'es intéressant, par contre.
Je sais pas si je pète bien. Cendrillon. Alors. Toi, tu pètes très bien aussi. Méga. Parfait. Donc, extra glace. Ok. Ice Bomb. Naki. T'es là. Toi. Éclavange. Et que potentiellement visite. Seulement pour voir PV. Ça va, il y a quand même des persos qui sont intéressants à monter. Oh, toi c'est pareil, très bien, c'est parfait toi. On fait de mes tours. On arrête tout, on arrête tout, on retourne au premier donjon. Je crois que j'ai la compétence que je cherchais. Du coup, on va violer les monstres ici. J'avais refouillé un peu les zones ici. Il n'y a pas de monstre en plus que j'ai trouvé. Par contre, les bébés, les mods ont disparu dans la vallée. Enfin, dans, contre les combats contre les gobelins. Tellement chuté d'avoir déjà cela pour ce que c'est quoi. Putain, et ça se trouve je fais tout ce chemin là, c'est pas le bon truc brisé qu'il me faut. Mais normalement si, c'est cette compétence là. Non putain, quand on regarde des reines. Bizarre, depuis tout à l'heure, hier j'ai joué en grand, là j'ai joué en chibi. Hop, grillage. Grillage. Bah tiens, les PV qui sont en 666, tiens. Cool, on gagne vachement beaucoup de PV de Jills et tout. Avancez. Je sais qu'il y a un succès, il va avoir. On va avoir ouvert tous les coffres. Il faut tout. Yeah. Il faudra tellement une attaque, style fauchage. Putain, on level up tellement pas du tout. Et après là, j'ai tellement de mobs à monter. Ah, mon bot café! Enfin son boulot. Il a enfin dit, c'est bon. J'annonce que t'es en live. Alors des fois j'ai un bot sur le Discord qui me dit ouais je live. Des fois il le fait pas. Alors. Oh. Je vais pas faire un petit camp. Normalement on devrait y être. Ici je crois. Ah si.
c'était bien ça. Ah, maintenant faut vol. C'est compétence voltée, voilà, elle permet les endroits à... C'est exact, elle peut... J'ai l'impression que ça va m'emmener dans un endroit qu'il faut pas. Did you just accidentally come up with a haiku? And who says boy oh boy? Oh putain, il y a encore des trucs d'astuces qui sont affichés. Oh, il y a toute une zone en vrai. Et surtout, on va croiser des mobs qu'on n'a pas vu encore. Et ça se trouve, on va se faire. Non, en fait, non. De ramasser les coffres et se barrer. Ok, à droite en premier. Hey, are we up to the... What? Comment dire qu'on a pas du tout le niveau et qu'on va... Oh, le Behemoth! On a peut-être le niveau du pour le Behemoth. Attends. Ah, je fais des allers-retours pour rien. J'avais parlé du Behemoth. Ah bah on va s'attendre, on va se le faire. Voyons. Oh putain, finalement on va se allongé. Là on deux. Ah putain, quoi que non, c'était niveau 24, 4, 4. C'est pas grave, on va se le faire, c'est qu'un monstre, c'est pas comme s'ils étaient plusieurs. De toute façon, on va ramasser. De toute façon, j'ai un Behemoth aussi. Je serai où m'entraîner la prochaine fois, genre le level. Non. Dans un combat contre Behemoth, je vais. J'ai l'impression qu'avec ça, je suis déjà à la fin du jeu avec ce que j'ai. Alors que non. Niveau 26, faut être... Vas-y, vas-y, on s'en fout. Rappelle-moi, il faut quoi déjà? On dirait l'épée, ok, tout simplement. Et on va te faire
dégâts. Je crois que je me suis emballé. J'ai jamais invoqué celui-là. Du coup, on va tester. Mind if I drop in? Just sit tight. J'ai pas lu, il attaque ou ça up que mes capacités? Il attaque. Ah, mais c'est des combats d'effet sans remixer. Bon bah... Il était trop prétentieux. Pas deux fois que je fais le malin. En allant dans les endroits qu'il faut pas. Bon, on va peut-être enfin commencer le truc. Putain, en plus, j'apprends à se rebriser et tout. Il me dit, ah, c'est bon, on peut aller dans l'autre endroit. Et ben. Non, apparemment, j'étais pas censé avoir cette technique-là. Tout de suite.